Hello YouTube, hello gorgeous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et je veux d'abord vous dire quelque chose. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ferai qu'une vidéo par semaine. Voilà, pour vous laisser le temps un petit peu de pouvoir voir mes vidéos et surtout de pouvoir répondre à vos commentaires s'il y a. Et c'est tout. Voilà. J'espère que ça vous dérange pas trop qu'il n'ait que maintenant qu'une vidéo par semaine. Pour moi, c'est un peu plus simple et je pense que ce sera le mardi en fait qui aura maintenant les vidéos. Et avant toute chose, si vous posez la question de pourquoi j'ai des cils de malade, bah c'est toujours et encore mon soin que je fais. Et ensuite, j'ai racheté ce mascara là. Mais je l'ai pris en incandescent black et je l'aime beaucoup. Bon, par contre, finalement, vu que je fais des soins, j'ai des cils très collants donc c'est un petit peu compliqué ce qu'on en trouve. Voilà, faudrait que j'y pense, mais c'est quelque chose comme ça qui arrive et bah, c'est pas très grave. Et ensuite, je porte le 9... Alors, est-ce que vous allez voir? Le 914. Voilà, de chez Kiko. Et j'ai des ongles évidemment foutus, évidemment, on n'en parle pas. Donc, c'est un joli bordeaux violacé. Enfin, qui ressort pas violacé. Mais... Ah, là, on voit mieux. Voilà, qui est un petit peu marronné. D'ailleurs, c'est celui-là que j'ai dû acheter à ma meilleure amie d'ailleurs. Parce qu'elle est tombée amoureuse de mon rouge à lèvres. Mais si aujourd'hui je reviens vers vous, c'est pour faire une vidéo un petit peu sympa, un petit peu lifestyle. C'est une vidéo qui va s'appeler en fait quand j'étais petite. Voilà. Parce que oui, quand j'étais petite, j'étais un petit peu chelou et je crois que vous aussi, vous deviez l'être. Alors on va commencer de suite parce que j'ai noté. Oui, d'un coup j'ai tout noté dessus, hein. J'ai noté 15 points. Alors là, je suis désolée, c'est un coup j'ai tout marqué là. Le point numéro 1, c'est que quand j'étais petite, je pensais être grande et mince. Alors, être grande, t'y repasses ma petite, hein, parce que tu fais que 1m51 et tu as des formes. T'en as même un petit peu repris d'ailleurs. Hein. Merci Iris. Merci beaucoup et merci aux vacances aussi. Bah oui, hein. Et merci à mon papa de ne faire que des pâtes. Parce que quand ton frère fait que du foot, ton père te fait que des pâtes. Et non, c'est pas super sympa d'ailleurs. À éviter. Et tu vois ce que je veux dire. Point numéro 2. Quand j'étais petite, j'avais dit que j'arrêterais mes études à 19 ans. Alors, ce qui est marrant, c'est que en fait, j'ai arrêté la fac à 21 ans. Je me suis inscrite à Pôle emploi. Et que bah, peut-être que Pôle emploi me trouvera via une entreprise une formation à faire. Donc, c'est-à-dire que je reprendrai mes études. Alors d'un coup, 19 ans, tant que Lulu quoi. Qu'est-ce que j'étais folle. Le point numéro 3, c'est que quand j'étais petite, je pensais qu'une fois adulte, je serais riche. Ok, alors mon compte banque n'a que 3 chiffres. Hein. Voilà, une centaine, une dizaine et une unité. Et j'ai envie de te dire à la moins petite que désolé chérie, mais tu es pauvre. Voilà, désolé. Le point numéro 4, c'est que quand j'étais petite, en fait, je pensais pouvoir tout m'acheter dans les magasins de mode et de maquillage parce que je serais riche. Ah, la jeunesse, ah, la naïveté. Alors, je suis toujours pas riche, hein. Entre deux, ça va changer, hein. Sinon, en fait, faut savoir que j'achète très peu de vêtements, hein, parce que c'est très compliqué quand tu fais 1m51, que t'es entre deux tailles et tout, tralala. Non, désolé, c'est pas pour moi. Mais par contre au niveau maquillage, je m'achète quand même de la marque parce que j'ai une peau sensible et j'évite de m'acheter des trucs à bas bout, tu vois ce que je veux dire. Mais donc coup bah oui, j'ai du Huda Beauty, du Too Faced, du Marc Jacobs, du Urban Decay par exemple, mais j'ai aussi du L'Oréal, du J. Maybelline, du NYX, du Yves Rocher par exemple, du W7 par exemple, voilà, tu vois, du The Body Shop aussi. Voilà, j'ai pas tout, hein. J'ai pas la même collection de maquillage que celle-là. Non, pas du tout même. J'ai même pas les un quart de ce qu'elle possède. Il y a encore les un quart. Le point numéro 5 que je voulais aborder avec vous, c'est que quand j'étais petite, je voulais acheter de la marque au niveau vêtements. Alors qu'aujourd'hui, en fait, je m'en bats les couilles, je m'en bats les coucougnettes, les coquillages, les coquillettes, tu vois, je m'en fous, hein.
Parce que c'est quoi le concept en fait d'acheter des pompes à 200 boules qui vont durer 2 mois, voire 3 semaines, au pire des cas, alors que t'as des chaussures qui sont beaucoup moins chères, qui vont te durer beaucoup plus dans le temps, sachant que c'est la même usine qui les fait. Moi je te dis ça, je dis rien. Est-ce qu'on en parle du fait que c'est cher aussi? Parce que. Putain de bordel de merde! 200 boules. Et on en parle aussi du magasin de Naf Naf, hein, parce que. Comment t'uriner en achetant un vêtement? Sans rire. Et là, tu vois, mon porte-monnaie, là, dans mon sac, et eh ben, il a frôlé la crise cardiaque. De toute façon, il frise toujours la crise cardiaque quand j'achète des trucs. Le point numéro 6 que je voulais aborder avec vous, c'est que quand j'étais petite, je voulais être asiatique. Mais genre japonaise. Alors, comment te dire que je ne suis pas asiatique du tout? Je suis française avec des origines espagnoles. Mais bon, t'inquiète pas, entre nous, t'as quand même les yeux un petit peu étirés en amande, hein, regarde. Ouais, enfin, en fait, je sais pas trop. Est-ce qu'ils sont étirés en amande ou pas? On va dire que oui. On va te faire plaisir, on va dire que oui. On va dire que oui. 7, quand j'étais petite, j'avais vu à Carrefour une dame d'origine africaine. Ah oui, ça, je m'en souviens trop. Et je voulais avoir les mêmes lèvres pulpeuses qu'elle avait parce qu'elles étaient parfaites et. Je l'ai trouvé super, super jolie. Bon, au final, j'ai pas les mêmes lèvres. Mais par contre, j'ai des lèvres pulpeuses. Pas symétriques, mais pulpeuses. Un jour, je vous expliquerai pourquoi elles sont pas symétriques, mais. J'essaie de faire un semblant de symétrie, mais. Bah, ça marche pas vraiment. Ouais, enfin ça marche pas. J'ai envie de dire, c'est déjà ça, elles sont déjà quand même pulpeuses, hein. Je vais pas me plaindre. Dans certaines, elles ont juste deux traits. Oh, les deux traits, c'est moche. Excusez-moi pour vous. Mais moi, je suis plus contente d'avoir des lèvres pulpeuses. Ok, d'accord, j'arrête. 8. Quand j'étais plus petite, je pensais qu'une fois adulte, j'aurais une voiture, une maison. Un mari, des enfants. Bon, j'ai envie de te dire, à la moi petite, déjà tu vas commencer par te calmer, hein. T'as pas encore ton permis, mais c'est sur le point d'arriver, ok, hein. Faut juste que tu passes le permis. Après, entre deux, faut trouver un job, hein. Déjà. Et t'as déjà un copain, c'est déjà ça. Bon, les enfants, c'est pas encore pour maintenant, mais. D'après Facebook, hein, parce que oui, hein, d'après Facebook, je serai mère dans l'année d'une petite fille. Donc, ça peut jouer, ça peut se jouer, hein. Ah ouais, ça peut se jouer. Qui a déjà eu les prémonitions de Facebook se réaliser? Non mais, dites-le-moi en commentaire, hein, ça m'intéresse. Juste pour voir. Hein. Ah non mais, je vous jure. T'imagines, ça s'est vraiment réalisé. 20. Quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Mais entre deux, j'ai appris qu'il y avait des maths, donc et moi j'aime pas les maths et je suis nulle. Donc bah je suis laissée tomber. Tant pis. Je fais pas autre chose. 10. Quand j'étais petite, je voulais être une tueuse des vampires. Genre, je voulais être Buffy de la série Buffy contre les vampires. Mais je suis pas l'élu. Alors si l'élu regarde la vidéo là, hein. Putain, t'as pris ma place. Alors t'es gentil. Tu viens, hein. Moi je voudrais voir et je veux avoir. Je veux être élu, putain. Je veux être une chose de vampire. Bah. Ma vie est nulle. Franchement, j'étais débile quand j'étais petite, c'est pas possible. 11. Quand j'étais petite. Je voulais être une sorcière. Je voulais être une tueuse, une sorcière. Comme dans Charmed.
Mais là encore, c'est raté, hein, parce que j'ai que des frères, donc on peut pas faire les Sœurs Lesouelles. Et vu que je suis emboulée, ben, je te laisse bien voir le dégât que ça pourrait faire. Le voisin pourrait se retrouver avec une tête de en forme de teuf. Ouais, puis le chat pouvait se retrouver en peau de serpent ou je sais pas quoi. Non, heureusement, hein. T'imagines, je me bats contre les forces de l'ombre, du mal. Eh non, mais il me voit, il me... Eh, mais ils explosent de rire de suite, hein. Ah, elle sorcière! Non! Allez! Reviens l'année prochaine! Je te pousse dans ta gueule. Franchement. J'ai vraiment des problèmes. 12? Est-ce qu'on arrive au point 12? Quand j'étais petite, je voulais aller étudier Poudlard. J'ai jamais reçu ma lettre. Moi je te dis un truc, il y a un cas, le premier cas c'est soit le hibou s'est paumé, soit il s'est fait bouffer par un chat. Cas numéro 2, je suis une vraie moldue et d'un coup ben, ça m'est passé sous la gueule. Ou cas numéro 3, mes parents m'ont menti, m'ont caché, déchiré mes lettres. Mais ça reste encore à prouver. 13, enfin, le point numéro 13, pardon. Quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Ron Weasley et d'Harry Potter. Ah, mais qui n'a jamais été amoureuse d'un personnage d'anime ou de film ou de série, putain? J'ai pas dérogé à la règle. Ah non, j'étais même amoureuse de Sasuke Uchiwa. Et de Naruto. Itachi. J'avais des problèmes quand j'étais plus jeune, ok? J'avais des problèmes. Carrément, vous le dites. Après, je suis très amoureuse de mon copain, donc. Et puis, je le préfère à Ron et à Harry. Au revoir, Ron, au revoir, Harry. Désolée, je vous friendzone, hein, parce qu'au final, vous m'avez friendzoné, ben, je vous friendzone, hein. Chacun son tour, je veux dire. Point numéro 14. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Alors, laissez-moi rire. Vu ma voix de casserole, voire même de crécelle, vaut mieux pas que je chante, hein. Si tu tiens tes oreilles, pas que je chante. Donc, épais tes oreilles en avance. Non, mais concrètement, faut pas que je me mette à chanter. C'est une horreur. Moi, je sais pas chanter. Et le dernier point, c'est le point numéro 15. Quand j'étais petite, je voulais avoir une petite sœur. Au final, j'ai deux frères. Merci, Madame Nature. Je voulais bien un frère, mais après je voulais une sœur. Toi, tu m'en donnes deux, frère. Bon, point positif, c'est qu'il me pique pas mon maquillage. Quoique, je sais pas. Je peux pas te dire. Mais ça savoir. Et vous, quand vous étiez petite, vous voulez être quoi? Vous pensez que vous ressembleriez à quoi plus vieille, enfin plus quand vous serez adulte? Dites-moi en commentaire parce que franchement. Et bah ça me ferait trop marrer de voir en fait que bah en fait je suis pas seule à être chelou quoi. Bah de toute façon je suis toujours chelou toute seule, mais ça m'intéresserait. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un like, un pouce dans les airs. Oui, tu peux être métalleux comme moi. Je fais peur. Tu peux commenter, t'abonner. Moi j'ai pas le bouton pour s'abonner, je sais pas comment on fait, donc désolée, hein. Et partagez ma vidéo à tes amis, à ta soeur, à ta grand-mère ou à je sais pas qui, à ton chien, ton chat. Et tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat, c'est MissQ, entre parenthèses Mallory, parce que je sais jamais c'est lequel en fait. Instagram, c'est le lien dans l'avant-propos, dans à propos pardon, de ma chaîne. Et j'ai une page Facebook Keroro Malo ou Keroro Mallory, je sais plus. J'ai Twitter aussi, mais faut peut-être que je le réinstalle aussi. J'ai Musical.ly, mais en fait je sais pas danser et ça ressemble à rien. Eh mais je vous jure, je suis chelou, mais je vous fais des bonnes vidéos. Hein. Franchement, j'ai eu cette idée hier soir, avant mon coucher, j'ai fait, faut trop que je la fasse, faut trop que je la fasse. Dans le coup, je vous l'ai fait et je suis plutôt contente. Et dites-moi vraiment si ça vous plaît. N'oubliez pas, soyez la meilleure.
la meilleure version de vous-même. Et on se dit à la prochaine, donc à mardi prochain, donc bah, le jour où en fait vous verrez cette vidéo, l'autre vidéo sera déjà tournée en fait. Donc j'ai hâte de vous revoir et puis franchement c'est cool. Voilà. Donc je vais éteindre ma caméra. Alors oui, j'ai super pas de chance avec mon setup. Ok? Moi je suis nulle en setup. Putain, moi je voulais un vrai setup. J'ai pas de vrai setup. Ah oui, j'y pense. D'ici les prochains jours, en fait, vous risquerez d'avoir une vidéo où je parle d'un truc qui s'est produit. Voilà. Non, non, c'est pas un projet. Alors, il y a un projet qui va arriver d'ici quelques mois. Un an. Avec une autre youtubeuse. J'en ai trop. Ou peut-être pas. Mais il y a eu quelque chose avec une blogueuse youtubeuse. Et franchement, c'est super cool. Et je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Moi, même, j'ai envie de voir à quoi ça va ressembler en fait. J'ai trop hâte de voir le truc. Et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine et je vais réparer mon setup parce que du coup, j'ai cassé mon setup. Hein. Ok, j'ai ma boule qui est tombée. Je fais comment moi? J'ai vraiment pas de chance. Bon, je vous dis à la prochaine et puis. Puis voilà. Moi j'ai juste hâte, c'est de voir d'autres vidéos. Parce que oui, moi je fais plein de vidéos, mais certaines ne font pas beaucoup de vidéos. Donc moi je veux voir des vidéos. Donc je vous laisse vraiment. Allez, bye. C'était sympa. Allez, à toi.